Hey, salut les amis, j'espère que ça va bien. Préparation pour commencer à préparer mes salines, mes blocs de sel. Écoute, le printemps est arrivé, fait qu'on va en profiter. Fait qu'aujourd'hui, je m'amuse un petit peu. Puis je veux juste peut-être vous montrer un petit renouvellement de mes blocs de sel que j'utilise, les blocs de sel himalayens de Bock-Esper. Il y en a plusieurs qui me demandent, Stéphane, tu utilises quelle mèche puis quelle longueur du clou? Fait que la mèche, ce que moi j'utilise, c'est une mèche à béton. C'est une mèche à béton de 1/2. OK? Vous partez ici. On prend le bloc de sel de Bock-Esper himalayen. Ensuite, regardez le trou ici. 1/2, ça perce très bien avec une mèche à béton. Vous n'avez aucun problème. Vous allez voir, ça perce énormément. Puis ça perce très bien. Fait qu'ensuite, ce que je fais, je me prends un clou de 9 pouces, je coupe la tête ici, puis après ça, on coupe. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Moi, ce que je prends mon fer, je vais enlever mes lunettes de sécurité, on sait jamais, hein? Faut pas prendre de chance. Fait qu'on fait juste couper la tête ici du clou. Pas plus compliqué que ça. Regardez votre clou, la tête. On pique ça dans l'arbre. Ensuite, on vient mettre le bloc ici sur le dessus. That's it, that's all. Fait que là, aujourd'hui, préparation de mes blocs de sel. Fait que sur ça, passez une agréable bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.